J'ai lu un truc sur l'abbé Pierre, donc les atrocités commises par l'abbé Pierre, et bien entendu toutes celles et ceux qui viennent se déclarer. En même temps, donc on s'aperçoit que beaucoup de gens étaient au courant de et depuis très longtemps. On parle de 1957. Donc le mec, depuis 1957, beaucoup de gens savaient qu'il faisait des choses répréhensibles. Mais bon, on n'a pas jugé utile de l'arrêter. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on devrait punir celles et ceux qui sont encore vivants, qui savaient et qui ont caché le truc? Parce que bon, on va punir l'Église, Emmaüs, ça ne veut rien dire. Parce que ce n'est pas la société Emmaüs qui a étouffé, ce sont les gens. Et donc qu'on punisse ces personnes. Est-ce que la petite Nolwenn Leroy qui déclare l'avoir connu et que ce n'était pas un saint, donc il semble avoir su que c'était un monstre. Est-ce qu'on doit la laisser vivre en paix ou est-ce qu'on doit la punir? Ah, tu n'es pas d'accord? Viens vite. Alors tu vas là, je te paye. Ajoute maurice.usa sur Skype.